peux pas, c'est l'heure du thé. Bah ouais, c'est l'heure du thé, les gars, faut pas déconner non plus. Il y a des trucs précieux. Merde, ma bouteille d'eau, quelqu'un a de l'eau? Y a-t-il une bouteille d'eau? Attention! Fais attention à toi! Je vais faire de mon mieux, mais j'ai une bonne étoile. Merci, tu gères. Attention! Il raconte des blagues. Attention! Ouais, c'est bon, j'ai de l'eau pour le thé. Juste que je retrouve à bout la thé maintenant. Et ça devrait le faire. Ah merde, j'ai ma poire à lavement, mais la bouche de thé. C'est bon, on est là. T'inquiète, j'ai une bonne étoile. Mais merci pour l'inquiétude. Attention! Va faire tout noir! Oh, très jolie marmite! Avec ça, je pourrais faire beaucoup de thé. Tu veux vraiment la jeter? Il y a que 5. Grenade! Ouais,
À l'école, on m'a dit que c'était pas sympa de lancer des grenades sur les gens. Attention, grenade! Grenade à gauche! Oh la belle verte! Attention, le bleu! Attention, arrête-toi! Arrête-toi! Attends, putain, heureusement! T'as eu très chaud, mec! Grenade! Café lacrymo? Non, plutôt thé à flot. Ok. C'est ce qu'on appelle le maté. Ah oui, oui. Attention! Ça devient un peu trop proche des humains, hein. Mettez-vous, vous venez de précis. Il recule. Il recule? Ouais. Super, allez-y. Ah! On vous achète pas des pétards pour Noël! Noël! Grenade! Grenade! Elle est bleue! Oh la belle rouge! Voilà! Vous voulez pas attendre que le thé soit prêt avant d'avancer quand même? Bravo! C'est votre victoire! C'est notre victoire parce qu'on est meilleur et on croit au pouvoir de l'amitié! Bravo! Encore une victoire de canard! Par ce temps de canard! C'est un poids de canard! Un peu brillant quand même! Ils sont pas un peu bruyants les voisins quand même? On peut pas voir son tépénard, merde! C'est une vieille tactique de couverture. Voilà. Ça a l'air d'aller. Regarde, ça prend bien. Ça pète le son aujourd'hui, hein, sacré teuf. Ça bien, tu vas vivre un peu de temps. Oui. Ah oui, oui, oui. Je l'ai enlevé juste pour ce. Artichaut. C'est bien parce que le vent il est avec de notre côté. Ouais, ouais. Donc là, ça c'est. C'est pas agréable de prendre le vent. Comme ça dans les dents. Ah, on prend aussi ton appui, t'as des yeux rouges, un peu. On dirait bien, on prend la route. J'ai un petit peu de poumon. C'est un peu de bâton par le tamis, ça c'est les seuls. Ah, c'est oui, c'est ça brûle les poumons un peu. Okay. Ça dure pas très très longtemps, mais quand même. Attention dans le talus de pas glisser pour pas se faire mal. La sécurité avant tout. En attendant, il nous lance des bombes. Hein. Ça doit, ouais, ça doit te faire bizarre toi qui as connu ici la ZAD sans que, avant que. Bah oui, parce que j'étais pas de mes amis. Mais j'étais à Sivas. À Sivas. Dans les Cévennes ou à Sivas? À Sivas. C'est où ça? Je connais c'est pas. Rémi Fraise, il est mort. Ah oui, 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 d'accord, oui. Mais moi, j'ai pas. Moi, j'ai eu des conflits avec les fascistes, mais. Déjà,
jamais organisé comme ça, tu sais, j'ai jamais cherché d'organiser. Du coup, je préfère partir et fuir, tu sais. T'as bien raison, moi aussi je suis une. J'ai fui une région. Ah ouais? Ouais, j'ai. L'année dernière, je travaillais dans la Dordogne, au Périgord. Ouais, c'est trop beau là-bas. Ah, c'est magnifique. Ouais.